tous les gens des cités lèvent leurs mains, et tous les enfants d'immigrés lèvent leurs mains, et tous les gens des quartiers chauds lèvent leurs mains, et tous les gens des ghettos lèvent leurs mains. Les miens, arabes et noirs pour la plupart d'entre eux. J'ai grandi parmi eux, je connais leur histoire. Dans l'oubli de moi-même, j'ai écrit leur mémoire. Je les aime, je te prie d'y croire. J'ai tant chanté leur souffrance, ces Français pourtant étrangers en France. Je n'ignore pas que profonde est leur déchirure. La mienne je tente de soigner par l'écriture. Bien sûr que j'ai en moi une part d'eux, bien que j'étouffe cette rage qu'ils cultivent en banlieue. C'est toujours de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux, et tant de tendresse qui se manifeste de mes voeux envers ces habitants du quartier, banlieue, cité, trop cité, qu'on a souhaité lier à l'insécurité. Leur différence naît dans le regard des autres parfois. Conséquence, la violence est haute, je viens de la banlieue, une France à part. Et y'a pas que la distance qui nous sépare. La cité a ses codes, son langage, son silence, ses modes, ses méthodes et sa lecture du monde. Lève leurs mains, et tous les enfants d'immigrés lève leurs mains, et tous les gens des quartiers chauds lève leurs mains, et tous les gens des ghettos lève leurs mains. C'est vrai que parmi les miens y'a des dealers, des tueurs, des braqueurs, des crapuleux, mais aussi des durs au grand cœur, des étudiants, des patrons et des sportifs. Y'a des innocents et des fautifs. Nos rues sont pleines de talents cachés, transformés en talents gâchés. Sous-estimant la valeur du temps, je me pose une question, les miens sont-ils naïfs ou inconscients? Lorsque l'envie domine la raison, je vois les miens en vie mais en prison. De toute façon, même libres, ils se sentent comme prisonniers, rejettent le bon sens comme un fou qui essaie de raisonner. Torturés par les regrets, je crois que les miens pleurent, mais en secret. Ils sont si loin qu'ils n'arrivent plus à revenir. Ce qu'ils voudraient être, ils n'arrivent plus à devenir. Ils refusent un avenir sans oseille, souvent victimes d'une adolescence sans modèle. En bas des tours, le temps leur échappe, leur vie se consume. Split pour bête, regard noir, avenir confus. Et certains tapent dans la coque, mais la plupart diront que c'est jamais eux, mais les autres. Combien de miens ne sont pas ce qu'ils voulaient être, ne font pas ce qu'ils voulaient faire, ne vivent pas ce qu'ils voulaient vivre. Ils se croient condamnés à l'échec, l'inégalité sociale comme prétexte. En fait, la délinquance, un héritage maudit que les plus vieux leur lèguent depuis leur plus jeune âge. Alors combien peuvent s'en sortir, construire, partir, ou alors partir, pour construire, pour revenir, pour reconstruire et instruire les nôtres. Lève leurs mains, et tous les gens des cités lève leurs mains, et tous les enfants d'immigrés lève leurs mains, et tous les gens des quartiers chauds lève leurs mains, et tous les gens des ghettos lève leurs mains, et tous les fils de prolétaires lève leurs mains, tous ceux qui se sentent solidaires lève leurs mains, et tous ceux de la France d'en bas lève leurs mains. Lève leurs mains. Ça me tue de voir les miens s'entretuer, tirer, tuer, trop s'y sont habitués. Pourtant nos histoires sont les mêmes, et quand on se fait face, on est comme face à face à nous-mêmes. On a la rage pour les mêmes raisons, subit les mêmes exclusions, reclus dans les mêmes quartiers, enfermés dans les mêmes prisons. Nos parents ont fait preuve du même courage, nous aiment du même amour, alors pourquoi tu me dévisages? Tandis que les médias nous salissent, que certains nous trahissent, complotent, rêvent en secret que la France nous bannisse. Dans leur bouche avant on était tous des voleurs, maintenant dans leur reportage on est tous des violeurs. On violerait nos sœurs à plusieurs, on y verrait une justice, une fierté, un honneur. Tu sais ce qu'ils se disent, normal pour des extrémistes en puissance. La haine succède à la peur et eux veulent faire flipper la France. Frangin, lève ta main si t'as une sœur et que tu la respectes. Lève ta main si t'as un frère et qu'il te respecte. Lève ta main si t'es conscient que la cité peut être un drame, que tu sois un homme ou une femme. Lève leurs mains et tous les gens des cités lève leurs mains, et tous les enfants d'immigrés lève leurs mains, et tous les gens des quartiers chauds lève leurs mains, et tous les gens des ghettos lève leurs mains, et tous les fils de prolétaires lève leurs mains, tous ceux qui se sentent solidaires lève leurs mains, et tous ceux de la France d'en bas lève leurs mains, lève leurs mains. Celle-ci, c'est pour les gens des quartiers, banlieue, cité, la souhaité, liée à l'insécurité. Afrique du Nord, du Sud, Antilles, Europe, Espagnol, Portugais, la misère n'a pas de couleur. Au royaume des rêves brisés, des cœurs brisés, des sentiments maîtrisés. Quand ils ne sont pas méprisés, ton sens de la survie doit y être aiguisé. C'est en rage que les faiblesses sont déguisées. Les miens n'en ont pas l'air, mais ils sont épuisés. Les miens, je vais les représenter jusqu'au terme.
peuvent tuer le révolutionnaire, mais pas la révolution. Ils peuvent contrer nos actions, mais pas nos intentions. Ils peuvent bâillonner nos bouches, mais jamais nos idées. Ils peuvent censurer l'expression, mais pas la liberté. Ils peuvent stopper la musique, mais pas nos récits. Ils peuvent pendre le poète, mais pas la poésie. Ils peuvent tuer le résistant, mais pas la résistance. Ils peuvent enchaîner nos mains, mais jamais nos consciences. Ils peuvent appauvrir nos poches, mais jamais nos cerveaux. Ils peuvent asservir nos proches, mais pas nos idéaux. Ils peuvent effacer nos mémoires, mais jamais notre histoire. Ils peuvent nous prendre la victoire, mais jamais notre espoir. Ils peuvent lui raser la crinière, ils ne prendront pas la royauté du lion. Ils peuvent assassiner le rebelle, mais pas la rébellion. Ha ha ha.